Bonjour tout le monde, bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui passe en revue les publications des personnalités connues du web. Contente de vous retrouver pour une sixième saison en direct de ma demeure. Aujourd'hui, on rencontre Lindsay Brun, qui est propriétaire de Sucre Brun, une boutique en ligne de gâteaux et de produits gourmands qui se spécialise dans les pâtisseries et les sucreries. Je vous donne déjà l'eau à la bouche, hein? Elle a également remporté la première saison du concours Wall of Chef présenté sur le Food Network. Et en plus, elle est d'origine haïtienne comme moi. Bonjour Lindsay, comment ça va? Bonjour Sabine, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Et Lindsay, on sait que tu as gagné ce concours-là. Mais avant de rentrer dans ça, je veux savoir comment tu es tombée en amour avec la gastronomie. Parce que on sait que dans ta famille, il y a du monde qui aime cuisiner. Oui, effectivement, je peux dire ma première inspiration, l'inspiration de plusieurs personnes qui aiment la cuisine vient de nos parents. Plus précisément, ça vient de ma chère maman. Bonjour maman qui nous écoute. Mouah! Alors, c'est de elle que j'ai appris le tout. C'est sûr que, tu sais, j'essaie de penser un petit peu comment ça a commencé. Ma mère a toujours voulu, je crois, me passer ses expériences, ses trucs et tout ça. Mais quand t'es jeune, t'as pas nécessairement envie de rester dans la cuisine, à côté du poêle. Non, tu veux t'amuser, tu veux être avec tes amis, tu veux être dehors, right? Donc, ouais. J'étais pas vraiment là. Mais ma mère, ce qu'elle a toujours fait, elle a toujours parlé à haute voix lorsqu'elle faisait à manger. Donc, c'était peut-être sa façon de faire un peu de passer des messages subliminaux. De transférer le savoir aussi. De transférer le savoir à sa manière. Elle a dit, bon, tu ne veux pas m'écouter activement, je vais essayer de passer d'une autre façon ce qu'elle a fait. Alors, c'est comme ça maintenant que je me souviens de certaines choses qu'elle faisait, mais quand même, je l'appelle et je lui demande toujours des informations. Et c'est sûr qu'elle me répond, mais dit, ah, mais comment ça, tu t'en souviens pas? Bon. C'est sûr que je le sermon des fois avant la réponse, mais ça va. C'est vraiment d'elle que je prends beaucoup de mes inspirations. Après la pause, on va parler de tout ton cheminement qui a peut-être pas eu lieu si tu n'avais pas postulé, mais on dirait que c'était pas sûr que tu voulais postuler pour ce concours-là. Après la pause, on va en apprendre davantage. Vous écoutez Suivez-moi sur les ondes de TV Rogers et aujourd'hui, on rencontre Lindsay Brun, la gagnante de la toute première saison du concours Wall of Chef présenté sur le Food Network Canada. Est-ce que c'est vrai ou c'est une rumeur que tu as failli ne pas soumettre ta candidature, Lindsay, pour ce concours? Malheureusement, c'est vrai. Les rumeurs sont vraies. Les rumeurs, pour une fois, les rumeurs sont vraies. Comment ça a commencé? Je veux dire quelque chose, je suis revenue de vacances. J'avais été en Corée, j'avais été en Thaïlande, j'avais été à Bali. J'avais vu des gens cuisiner des choses extraordinaires. J'ai goûté des mets délicieux. Donc, je suis revenue de vacances, j'étais pumped. J'avais vu des belles choses, mais j'étais aussi un petit peu dépressée. On a un peu les blues des vacances parce que j'avais vraiment eu un merveilleux temps. Puis j'étais assise, je crois, au salon de coiffure, puis j'ai vu l'annonce passer d'envoyer sa candidature pour participer à ce concours. Et je me suis dit, ah, j'ai aimé ça, je suis encore dans mes vacances, oui, j'ai le goût, on y va. Donc, je m'inscris, j'envoie une première vidéo, je remplis des questionnaires, j'envoie une deuxième vidéo, d'autres questionnaires et tout ça. Et bon, ça va bon train. Puis, à un moment donné, il m'envoie un courriel. Et ils me disent, ah Lindsay, est-ce que tu sais que c'est une compétition de salé, de nourriture et non pas de dessert? Je dis, ah, mon Dieu, non. Donc, je leur ai dit à ce moment-là d'enlever mon nom du concours. Je ne veux plus poser ma candidature pour le concours. Pourquoi? Mais j'étais vraiment plus à l'aise à faire des pâtisseries et des desserts. C'est ce que je faisais depuis le début. Vraiment, c'est ce que je montrais aux gens que je ferais comme service. Donc, je me suis dit, non, je suis vraiment trop stressée, j'ai pas assez confiance en toutes mes habiletés. Oui, je le fais déjà chez moi, mais est-ce que je veux le montrer aux gens? Donc, tout m'est passé par la tête et
ils m'ont, donc, quand ils ont vu que j'aurais dit non, ils m'ont appelé. Puis ils m'ont dit, ah, ben, ils me disent, non, tu peux pas. Tu as déjà envoyé 2 questionnaires, 2 vidéos. Fais-toi confiance. J'ai dit dans cet appel téléphonique, là, j'ai au moins dit 3 fois non, si c'est pas 4. Mais je me souviens au moins 3 fois, elle était comme oui, là, je suis comme non, non, non. Puis à la fin, elle m'a dit, Lindsay, fais-toi confiance. T'es déjà rendu jusque-là, fais-toi confiance, envoie-nous ton menu. C'est ce que j'ai fait. Et 1 à 2 semaines. T'as pas regretté? Après... Pardon? T'as pas regretté parce que non seulement t'as gagné, mais qu'est-ce que je trouve fascinant dans ton histoire, c'est que tu as dû garder le secret pendant 1 an. Presque 1 an. Presque 1 an. Donc, j'ai gagné, j'en reviens pas. Je suis fière, je suis contente, je suis gonflée à bloc pour plein de nouveaux défis. Puis là, on me dit, hey, hey, en passant, tu dois garder le secret pendant 1 an. Pourquoi? Parce que il voulait vraiment garder le secret, non seulement pour toute la production, pour le marketing qu'elle avait autour de l'émission. Ils nous ont dit, tu n'as pas le droit de rien dire, mais surtout, si tu veux ton prix, tu dois ne rien dire à personne jusqu'au moment où ça passe, à 8h59, quand il y a eu bon, le reveal, là, quand on a vraiment dit que c'est moi qui avais été la gagnante. Donc, j'ai dû tenir le secret, oui. Et comment ça... Ah, vas-y! Non, je disais que ça prouve que quand quelqu'un me dit un secret et on me dit de ne pas le dire, je suis capable de garder un secret. Alors, amenez-en des secrets. Donc. On va définitivement te donner des secrets de recettes tout de suite après la pause. Bonjour tout le monde, vous écoutez Suivez-moi sur les ondes de TV Rogers et nous avons avec nous aujourd'hui, quelqu'un de fort spécial, Lindsay Brun. Et Lindsay Brun va nous parler un peu de son entreprise maintenant parce qu'elle a gagné le concours qu'elle nous expliquait tout à l'heure, culinaire à Food Network. Mais là, on veut savoir que depuis que tu as gagné le concours, tu as développé toute une gamme de produits donc que j'ai à la maison, j'ai reçu à la maison, et aussi un sweatshirt en coton ouaté, plein de produits qui accompagnent toute ta ligne de produits culinaires. Alors, explique-nous pourquoi tu t'es devenue entrepreneur après avoir été gagnante de ce concours-là. Vraiment, quand j'ai gagné, j'ai vraiment eu, j'étais gonflée à bloc, j'étais prête pour tous les défis, tous les défis. Puis, j'ai toujours voulu avoir des produits dérivés. C'est quelque chose que je dis depuis que j'ai commencé Sucre Brun. Je veux des produits parce que pour moi, c'est important que tout le monde ait un petit morceau de sucre brun à la maison. Donc, tu n'es pas obligé de commander nécessairement un gâteau, mais tu peux avoir plein d'autres trucs que tu peux en même temps utiliser ta créativité puis les changer aussi, faire des nouvelles recettes. Moi, j'adore entendre dire les gens, tu sais quoi, j'ai pris... ton mélange à biscuits ou j'ai pris ta tapenade puis je l'ai mis sur une pizza, j'ai mis sur mon barbecue, c'était vraiment exquis. Moi, j'adore ça. J'adore. Et non seulement ça, tu fais des tutoriels en ligne pour accompagner les personnes qui veulent découvrir tes recettes et surtout la nourriture haïtienne avec une twist. Oui, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai vu ma mère cuisiner toute ma vie, elle le fait encore. C'est là que j'ai vu aussi des comment mariner, comment faire une petite sauce rapide, comment on fait quelque chose qu'on appelle un sauce pois, qui est une sauce au pois. Donc, comment je peux utiliser tous ces petits trucs-là, ces saveurs-là dans mes recettes. Donc, c'est quelque chose qui me vient assez facilement d'inclure là un petit peu de notre culture dans les plats. En plus de faire des tutoriels et avoir des produits dérivés comme celui-ci, quoi d'autre que tu offres en ligne? Parce que tu as toute une gamme de services que tu offres sur ton site web. Exactement. C'est sûr que oui, c'est possible pour vous d'acheter, mais si vous voulez un gâteau spécialisé, je ne sais pas moi, une table de dessert, des petites mignardises, c'est vraiment un service que Sucre Brun peut offrir. Encore une fois, on veut essayer d'offrir ou de créer des services qui sont collés vraiment aux besoins de tous et chacun. Donc, c'est possible vraiment aux gens de nous demander « Hey, moi, ça me tente d'avoir, je ne sais pas moi, un bar à sundae ou… »
un bar à patates pilées ou je sais pas trop quoi. C'est toujours des super défis. Puis on est vraiment, en tout cas, je suis toujours prête à relever le défi. Quand c'est de la nourriture, je veux vraiment faire plaisir aux gens. Et là, on a le Joliv, mais tu as une série de produits dérivés. Peux-tu nous parler du mélange à biscuits, de la confiture et des autres produits que tu as à nous faire découvrir sur ton site web pour ceux qui ne l'ont pas encore Absolument. goûté? Oui. Alors, le mélange à biscuits, je ne sais pas si tu te souviens, Sabine, l'été passé, il y a eu une genre de mode sur les réseaux sociaux où les gens faisaient des gros, des méga cookies. Puis, j'étais C'est comme, mon vrai. Dieu, oui, ils faisaient des gros biscuits. Puis, j'étais comme, OK, il faut que je fasse ma propre recette, de savoir comment, qu'est-ce que je peux mettre, tout ça. Puis, j'ai créé le mélange à biscuits, ça s'appelle De base de luxe. Pourquoi de base de luxe? Parce que tout le monde doit avoir un bon mélange à biscuits de base. Pépite au chocolat ou morceau de chocolat dans mon cas, tout le monde doit avoir une bonne recette. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de base de luxe parce que j'ajoute des noix, il y a des morceaux de chocolat score, il y a des morceaux de chocolat. Donc, il y a vraiment plein de choses vraiment relevées. Puis ça donne 6 méga gros biscuits ou c'est possible de faire un gros biscuit. Je sais pas, peut-être qu'il y a un anniversaire, je ne vais pas faire un gâteau, je fais un gros biscuit, je mets des chandelles. Voilà. Bonne fête. Donc, il y a ça. Il y a aussi les confitures. Donc, confiture à la figue. J'ai toujours aimé la figue. J'ai toujours aimé la figue mélangée avec des choses salées, comme du prosciutto, du fromage bleu. Mais j'étais comme, OK, encore une fois, je veux faire ma propre recette. Donc, comment je fais? Alors, bien sûr, j'utilise la figue, mais j'ajoute une bouteille complète de vin mousseux dans le mélange. Donc, ça rend un petit peu plus riche. Oui, c'est super bon avec un morceau de fromage brie ou quelque chose de salé. C'est délicieux. Donc, il y a ça. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Oui, quand on était en pleine pandémie, tout le monde faisait des pique-niques. Tout le monde allait pique-niquer. Les gens faisaient des assiettes grazing et tout ça. Je me suis dit, OK, faut que je crée quelque chose pour être là, dans le milieu du pique-nique avec les gens, même si physiquement, je suis pas là. Donc, j'ai inventé, ça s'appelle le hot set. C'est des gelées qu'on peut manger avec des fromages, des viandes froides. Il y en a une au poivron épicé, il y en a une au bleuet et mûre épicé. Oui, c'est vrai avec des fromages, mais après ça, on met ça sur du poisson, sur une belle viande rouge, du poulet. Mais vraiment, là, cet été, on va dehors, on se fait une belle assiette grazing, puis on a le hot set, c'est super. Tu me donnes l'eau à la bouche. Moi, j'invite tout le Hey! monde à aller sur leur site web et de faire des commandes tout de suite et pendant la pause. Alors, après la pause, on continue à te parler, Lindsay. Merci d'être de retour avec nous à Suivez-moi. Aujourd'hui, je reçois Lindsay Brun, propriétaire de Sucre Brun et également la gagnante de la toute première saison du concours Wall of Chef sur du Food Network. Sur Food Network, excusez-moi. Lindsay, Oui. toi, tu utilises le web pour faire la promotion de tes produits, de tes tutoriels, mais qui suis-tu pour t'inspirer tous les jours pour continuer à travailler si fort dans la cuisine, puis aussi, on s'entend, on est en pleine pandémie, c'est pas évident de continuer son entreprise dans cette période d'incertitude. Définitivement. Écoute, je vais pas te mentir, les gens vont peut-être dire, oh, je savais qu'elle faisait ça. J'écoute religieusement, presque à toutes les heures de la journée, Food Network. Je suis toujours là-dessus. J'aime les émissions de compétition, j'aime les émissions de voyage où on montre la culture des autres parce que je trouve qu'en regardant la culture des autres, c'est vraiment possible pour toi de t'inspirer. C'est pour ça qu'on aime tant voyager. On s'inspire de qu'est-ce qu'on voit ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ça. Vraiment, Food Network, toutes les émissions de recettes de n'importe quel poste, je vais les écouter. Parce que je trouve que chaque personne a quelque chose vraiment à nous amener. Donc pour la nourriture, c'est vraiment mon to go. Puis ensuite de ça, bien, comme tu sais, j'ai une nouvelle compagnie de vêtements qui s'appelle En Aller. Donc, qui veut dire let's go Que je en créole. porte avec fierté. À merveille, passant. À merveille. Tu vois très bien le blanc. Donc là, maintenant, je suis rendue dans un monde de la mode. Donc, je fais souvent des hashtags at flow, at leisure. Donc, vêtements relax, cozy. Donc, c'est maintenant, je regarde beaucoup ça aussi pour m'inspirer.
Je regarde aussi les couleurs parce que veux, veux pas, les couleurs vont t'inspirer aussi, non seulement dans la nourriture, mais aussi comment on s'habille, qu'est-ce qu'on ressent sur aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais mettre ou qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ma recette. Ça passe aussi par les arts. Donc, mes yeux sont un petit peu là partout, là. Mon furteur, là, il est un peu partout. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier, comme des personnalités connues que tu suis sur les médias sociaux, sur Instagram ou Facebook? Absolument. Pour ce qui est culinaire, écoute, j'ai beaucoup du Martha Stewart en moi. Donc, c'est sûr que je vais faire un petit peu ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi Guy Fieri. C'est quelqu'un qui a gagné aussi un concours. Puis maintenant qu'il y a des livres, qu'il y a des restaurants, qu'il y a plusieurs émissions de recettes. Donc, j'aime comment il est vraiment authentique fois 1000. Puis, il rassemble vraiment, c'est un rassembleur autour de la nourriture. Donc, j'aime beaucoup le regarder. J'aime aussi regarder aussi beaucoup Ricardo. Je pense que c'est un incontournable ici au Québec. J'aime comment il apprête la nourriture aussi. C'est un grand businessman, hein? Du vin, des casseroles, un café ou des cafés, Et des vendange aussi. magasins. Pardon? Et des magasins aussi, des boutiques. Des magasins. Je crois qu'il a aussi un vin. J'ai vu dernièrement, qu'est-ce que j'ai acheté? C'était marqué Ricardo. Puis j'étais vraiment étonnée de voir ça. Je me souviens plus, mais comme je te dis, Ricardo, c'est un modèle d'affaires très intéressant. Un beau modèle, en plus québécois. Je pense que c'est intéressant aussi. En tout cas, moi, je le suis pour voir un petit peu là, qu'est-ce qu'il fait, puis surtout comment il fait. Surtout comment il fait. Puis moi, je te le souhaite parce que dans les journaux, quand tu as gagné, une des choses qui ressortait souvent, c'est que tu as gagné à cause que tu as fait découvrir les saveurs de la nourriture haïtienne. Et est-ce que tu penses que les gens ont plus une ouverture à découvrir la nourriture haïtienne en dehors du Québec, dans d'autres provinces, après t'avoir vu à la télévision? Je vais dire, j'espère bien. J'espère bien parce que c'est tellement une nourriture qui a tellement de saveurs, qui a sous plein de couleurs. C'est vraiment riche. C'est vraiment riche. On offre tout ça. Puis en plus, c'est accessible. Quelque chose qu'une autre culture va utiliser, comme on fait, tout le monde fait du riz. Mais nous, on fait un riz de plusieurs façons. On a plusieurs différents riz dans notre propre culture. Le riz jonjon qui est fait avec un champignon. On a le riz à pois qui est le riz national du pays. On a plein de riz, plein de viande, plein d'assaisonnements qui vont vraiment donner un autre goût. Donc moi, si les gens sont pas encore convaincus, j'invite les gens vraiment à déguster, à découvrir la nourriture haïtienne. Vraiment, c'est un petit bijou. Ah, tu me donnes l'eau à la bouche. Restons là. Essayons de savourer la nourriture de Lindsay Brun, puis on retourne après la pause. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur les ondes de TV Rogers et mon invitée est Lindsay Brun. Elle va nous parler de ses prochains projets. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en toute intimité qui s'en vient pour toi et pour nous, les personnes qui adorent te regarder évoluer et surtout qui aiment ta cuisine. Oh, merci. Je pourrais vous parler de deux petits projets qui s'en viennent, super fun, qui sont en lien avec la nourriture. Donc, pour le bel événement de Montréal qui s'appelle Montréal en lumière, j'ai eu l'opportunité, le privilège d'enregistrer un balado sur la nourriture, sur les goûts, sur les saveurs qui m'intéressent. Donc, vous allez pouvoir écouter 1 heure de blablabla avec moi et aussi Marianne Lefebvre, avec qui j'ai filmé là, le tout. Ça va être vraiment intéressant. On parle de tout et on parle surtout de la nourriture. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Il y a aussi un deuxième projet, c'est une toute petite chronique dans l'émission qui s'appelle Ça, il faut qu'on se le dise sur Radio-Canada. Et à ce moment-là, on a discuté vraiment de l'appropriation en cuisine, de l'appropriation culinaire. Donc, il était Wow. vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Je t'ai accompagnée aussi avec d'autres panélistes. Vraiment, j'ai aimé partager ce petit morceau-là et pourquoi c'est important d'être inspiré par d'autres cultures, de s'informer sur d'autres cultures et après ça, de faire notre propre interprétation, mais toujours dans le respect et dans la révérence. Donc, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis parce qu'on va continuer à te suivre sur les plateformes sociales et sur ton site web.
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2021 et toutes les autres années, vraiment de me voir encore plus à la télévision, d'avoir mes propres émissions de recettes, d'avoir mes magazines, d'avoir, je sais pas moi, mon ensemble de batteries de cuisine, de faire des chroniques culinaires, d'écrire des livres, de participer à des émissions, parce que c'est quand on parle avec des gens qu'on peut aussi découvrir d'autres choses. Donc, être encore plus sur des panels, rencontrer des gens et parler et montrer ma passion qui est tout le domaine culinaire. Alors, Lindsay, on va continuer à te suivre, surtout tes tutoriels et aussi tes vidéos sur YouTube. Et surtout, moi, j'adore absolument aller sur ton compte Instagram parce que non seulement il y a plusieurs choses, mais tu nous donnes le goût de cuisiner et de découvrir toutes les recettes qu'on ne connaît pas de nos parents, de nos familles, tout en utilisant des nouveaux produits de sucre brun. Moi, j'invite tout le monde à te suivre et surtout d'acheter tes produits et à faire la découverte de la nourriture haïtienne avec le mélange de toutes les connaissances et de tous les pays que tu as visités parce que je pense que tu es une fille du monde. Oui, j'adore voyager, je m'ennuie. Je m'ennuie des On voyages. s'ennuie en pandémie. Mais en tout cas, on va sortir de la pandémie parce qu'on va continuer à te suivre puis on va voyager à travers ton compte social puis ton site internet. À bientôt, Lindsay. À bientôt, on allait. Bye. En aller, bye!